préfet du département du Ntem, monsieur le président du conseil départemental du Haut-Léon, monsieur le maire de la commune d'Oyem, camarade secrétaire fédéral du PDG du département du Ntem, monsieur le directeur provincial des douanes du Haut-Léon, messieurs les représentants des forces de sécurité, chers camarades, mesdames et messieurs, mes chères mamans, je voudrais, avant de dire mon mot, saluer votre présence à cette cérémonie. Je voudrais également remercier mes camarades du parti ici présents qui ont pris une part active à l'organisation de notre cérémonie. Mais il y a pour face à mon le camarade Irène Minsa s'est déplacé spécialement pour cette cérémonie. D'autres auraient voulu le faire, eux aussi, mais ils n'ont pas pu. Je voudrais que vous les applaudissiez très fort, car ils sont à mes côtés à chaque occasion. C'est avec eux que j'anime la vie politique de notre parti ici, à Bitam. Les résultats sont éloquents et vous tous, vous l'appréciez. Et on met la pour famille Kafa. Le gouverneur empêché, mesdames et messieurs, chers camarades, chères mamans, il y a de cela quelques semaines que le monde entier a célébré la fête des mères. En ma qualité de maire de la commune de Bitam et de membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, je voudrais exprimer ma joie d'être avec vous ce jour pour honorer les mamans, nos mamans de notre commune. De la célébration en différé de la fête des mères. En tant que maire de la commune de Bitam, votre maire, je suis disponible et je suis à l'écoute de chacune d'entre vous, de vos préoccupations. Je suis disposé à vous soutenir car la réussite de Bitam passe par la réussite de tous ses enfants. En tant que membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, je me dois de vous dire la vérité, d'agir selon la volonté du distingué camarade président, selon les instructions du secrétaire exécutif du PDG, le distingué camarade prône le partage, la solidarité, l'amour. Vous mentir aux populations, c'est trahir. Et trahir n'est pas de ma nature. C'est mon cœur qui parle. Mes chères mamans, au cours de la présente édition, nous avons ciblé dans chacun des 22 quartiers qui composent la commune de Bitam, 10 mamans dont l'âge varie entre 70 et 80 ans. Par ailleurs, nous avons un regard particulier sur les 3 mamans les plus âgées de chacun des 10 quartiers. Les 3 mamans les plus âgées. À ce titre, nous nous rendrons à leur domicile respectif la semaine prochaine. Elles sont déjà en train de s'asseoir, alors quelles vaillantes mamans. Nos vaillantes mamans du groupe d'animation socio-culturelle PDG de la commune de Bitam, Nouvelle Alliance, ne peuvent pas être oubliées. Votre marraine, la camarade Mérébétani, a tenu elle aussi à célébrer votre fête. Veuillez s'il vous plaît applaudir pour ce groupe.
ainsi, nous avons au total 540 femmes à honorer ce jour. Chère maman, la mère est tout. C'est une forteresse. Non. Je vais d'abord dire, parce que on est d'abord. La mère est tout. La mère est une source de vie. La mère est une source d'existence. La maman, c'est une forteresse. La maman, c'est un bouclier. La maman protège. La maman est aussi amour. Comme l'avait dit quelqu'un, le cœur d'une mère est un abîme au fond duquel se trouve toujours un pardon. Même si elle vous frappe, il y a toujours le pardon. Mes chères mamans, je terminerai ce mot par vous demander de bien vouloir accepter ces modestes cadeaux qui vont vous être remis. Je ne représente rien par rapport à ce que vous représentez réellement. Mais on dit que la façon de donner vaut mieux que ce que l'on donne. Premier ministre, quand le Miringanga pour aller face, le ministre est qui est aimé maintenant ce soir. D'abord, à donner balaye de divorce. Ah oui, donc Ali Bongo, Angé Emina, vraiment. Mais le compte est au meilleur. Examine de ma mère hier, Tina. Merci beaucoup. Le président Ali Bongo Dimba.
responsable de la commune qui est notre père à tous, le premier père, vous a rendu un hommage bien mérité. Cet hommage, c'est une façon de reconnaître le rôle que vous jouez dans la société. Donc, vous comprenez bien que le parti compte sur vous. Vous êtes le pilier de notre parti. Vous êtes le pilier même de la société. Donc, vraiment... que vous faites pour la commune de Vitam et surtout pour le premier membre, le membre du bureau politique qui représente le distingué camarade ici. C'est donc en honneur de ce que vous faites qu'aujourd'hui nous avons la joie de célébrer solennellement tout ce que vous avez accompli depuis que nous sommes ici dans la commune de Vitam. Donc je vais inviter juste symboliquement la présidente du groupe Nouvelle Alliance et la trésorière. Pressé. Qui sera d'un usage du tout, j'en suis sûr.